Eh bien c'est reparti mesdames et messieurs, pourquoi le stream coupe pas mal en pause? En fait c'est pas qu'on coupe le stream, c'est qu'on affiche des pubs pour nous soutenir. Et ah ouais c'est vrai, j'ai une sale barre à droite de mon logo là, c'est dégueulasse. Bon et ça suffit, ça suffit bon sang, ça suffit. Viens dire bonjour, ça fait longtemps. Ah il est timide, attendez. Attendez. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, ça fait longtemps. Dis bonjour, dis Kerrigan, dis bonjour. Dis bonjour, c'est là-bas, là-bas. Regarde, ici, ici, imbécile. Ici. Bon. Il est timide, hein. Vous savez, la célébrité, c'est difficile. C'est très très difficile en effet, et c'est pas évident à gérer pour tout le monde. Les chats sont les premiers victimes de cette difficulté à gérer la célébrité. Donc voilà. J'ai envie de faire un truc, avant de faire un petit peu de ladder 1v1, je vais vous montrer ce que j'aime faire parfois sur Starcraft 2, parce que c'est quand même très intéressant. Et on n'est pas là de toute façon pour voir une montée de ladder d'un joueur nul ou ce genre de truc, hein. C'est pas, très impressionnant, mais on est là pour rigoler et que je vous apprenne des stratégies assez fun, assez intéressantes, assez regardables. Évidemment, nous avons. Alors, vous êtes très nombreux sur le stream. Vous êtes plus de 1400 et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez autant. Donc, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Tu devais nous parler des choses que tu as faites quand tu ne streamais pas. Alors oui. Alors déjà, j'ai pris beaucoup de temps pour dormir. Non, je déconne. J'ai pris beaucoup de temps pour répondre aux gens qui m'envoyaient des messages. Il y a beaucoup d'encouragement. Après, je vous avoue que je n'ai pas répondu aux gens qui disaient juste « T'as eu raison, merci de ton soutien, machin. » J'ai voulu envoyer des merci à tout le monde, comme je disais, mais c'était un petit peu compliqué. Ce que j'ai fait, en revanche, c'est que j'ai répondu aux gens qui voulaient être graphistes, aux gens qui voulaient être modérateurs. Il y a des gens qui voulaient être modérateurs à qui j'ai pas répondu parce qu'on n'a pas besoin d'être 600 modérateurs sur le chat IRC. Donc pour l'instant on est beaucoup et j'ai fait des conférences Skype avec ceux qui voulaient, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à m'aider, je vous en remercie. Des gens qui m'ont donné des conseils pour des caméras, des trucs de son. Va-t-on voir quelques œuvres d'art faites cet après-midi? Alors oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Zerator, ma femme se plaint du son. Vous n'avez pas assez de minerais, que faire? Tu peux enlever les sons d'erreur à la limite. Mais voilà. Alors parlons de Facebook. Regardez, sur Facebook il s'est passé des choses cet après-midi. En fait nous avons un viewer qui s'appelle Zanzan, qui quelqu'un que vous connaissez si vous suivez mes streams depuis pas mal de temps, qui a lancé une idée, c'est faire des dessins sur le sur le truc. Et oh mon dieu, je vous ai complètement spoilé. Alors regardez, faire des dessins pour faire du waiting screen. Voilà, on a des contributions assez assez intéressantes. Donc je vais essayer de toutes les ouvrir. Et comme ça vous pourrez voir un petit peu. J'ai dit aux gens, et si vous voulez m'aider pour être graphiste, n'hésitez pas, même sur Paint, j'accepte. Et voilà, il y en a qui ont fait des... Il y en a qui ont fait des trucs comme ça, vous voyez, Zerator, machin. Alors je vous montre un petit peu les créations diverses. Ça c'est quand même trop balèze. C'est quand même méga méga balèze. Donc félicitations à toi. Donc il a mis des fougères, des overlords, du Zerator avec le t-shirt qui va bien. Donc ça c'était plutôt nice, assez bien réalisé. Ensuite vous avez un Zerator brandissant deux fougères d'Adair. Donc ça me ressemble beaucoup en plus. Alors on a trouvé une game, je vous parlerai de ça après. Le seigneur du Dadair, ça c'est magnifique avec la fougère. C'est sur Paint hein, donc c'est quand même super stylé. La communauté de la fougère, The Rain Dreamer. Le seigneur du Dadair, la communauté de la fougère. Pas mal, on pourrait faire un long métrage en effet. Je l'ai ouvert deux fois, ok. Ensuite fougère 10, 9, 8. Ah il a fait un gif, magnifique waiting screen. Bravo à toi. Alors là, j'applaudis des deux mains. Ça s'applaudit des deux mains, honnêtement. Et ZRT avec un jambon et des fougères. Voilà, il y a des gens qui ont fait des œuvres comme ça. N'hésitez pas. Oh putain. N'hésitez pas à contribuer hein, si vous voulez. S'il est vous aussi. Alors je vais faire un six pool en fait. On est là pour faire du 4v4. Donc on peut totalement. Eh bien, brain les gens en 4v4 en faisant du six pool. Vous allez voir, c'est absolument exceptionnel. I six pool, why to win? Of course, of course. Et je vous invite à faire des 6 pools en 4v4 parce que c'est quand même vraiment super cool. Moi j'en ai marre, vous savez, de ces games 4v4 où les mecs attendent un quart d'heure pour s'attaquer. Ils font des trucs aériens only, c'est un peu chiant et ce genre de trucs. Enfin bon, c'est parti mesdames et messieurs. Voilà, play and have fun. Voilà, 14 pools, 14 base. Ok, 14 pools, 14 base. C'est pas grave, 6 sur 10. C'est parti, 7 sur 10 et c'est parti. On va attendre le fameux spawning pool et on va partir directement sur une base ennemie. Donc moi perso je vais ici, pas de soucis pour le reste. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà,
Alors, il y a Noxer qui m'a dit, parce que je parlais un peu avec Noxer tout à l'heure, il m'a dit, il y a des mecs qui sont venus me voir en me disant que t'étais parti de Millennium parce que tu t'étais embrouillé avec moi, c'est quoi cette histoire? Est-ce que t'as répandu une rumeur ou quoi que ce soit? Et j'ai dit, alors non, mais tu verras que tout le monde invente un petit peu tout et n'importe quoi et c'est très drôle. J'ai vu des messages de ouf, je suis allé voir la news Millennium. Y a-t-il un planning officiel ou officieux de tes streams juste pour avoir une idée de l'heure à laquelle se connecter? Alors, pour l'instant, c'est tous les jours 18h. Mais après, il y aura un planning dès lundi. Donc, tu pourras aller voir. Il y aura un calendrier de toute la semaine que j'essaierai de mettre à jour. Au moins pour le début des streams. Après, ça pourra changer. Hein, rien n'est obligatoire. Mais c'est assez marrant. Donc, oui, je suis allé voir la news de mon départ en fait sur Millennium. Puisqu'ils ont fait une news en disant voilà, Zerator s'en va, blablabla. Et c'était super marrant de voir ce que disent les gens. Enfin, c'est vraiment un truc de taré quoi. C'était. Il y a de tout et n'importe quoi. C'est vraiment. C'est vraiment trop marrant. Il y a un truc en mode oui, bah Eclipsia machin, ils lui ont proposé une somme indécente, c'est sûr, c'est le meilleur transfert de l'année, blablabla. Ah non, mais moi je suis sûr qu'il s'embrouille avec Millennium, de toute façon Zerator c'est une grande gueule, machin et tout. Enfin, il y a eu vraiment de tout, c'était vraiment super marrant. Moi j'ai trouvé ça marrant, il vaut mieux en rire hein, qu'en pleurer évidemment. Mais voilà. Bon, mon Six Pool fonctionne bien, pour l'instant j'empêche de récolter un petit peu des adversaires. Voilà, regardez là, il a quelques VCS, le mec. Voilà, je l'empêche de récolter, je l'emmerde un petit peu, voilà ce que je fais actuellement. Il va peut-être fight avec ses VCS au bout d'un moment, voilà, il fight. Oh, les VCS de l'autre aussi sont en train d'arriver, c'est merveilleux. Donc je suis en train de macro pendant ce temps-là, hein, évidemment, avec mes units. Hein. On va essayer de passer au milieu, comme ça d'un coup il va essayer de me surround, voilà. On va aller là-bas pour paralyser un petit peu la production des nouveaux VCS qui vont sortir, j'imagine. Non, ils ne sortent même pas, magnifique. Ok, c'est parti, on va essayer de tuer ce VCS. Oh, un Marines. Ok. Hop là, la Queen, injection, tac tac. Hop. Nickel. Alors ça spike les commentaires. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? As-tu bien aimé le jeu Allods d'hier? Bah oui, vous m'avez vu jouer à Allods avec Fury hier, on a commencé le jeu, il y avait quelques viewers qui étaient là aussi, c'était très intéressant. On va y rejouer je pense avec Fury. Alors tout à l'heure j'ai vu qu'elle m'avait laissé un message Skype pour savoir si elle voulait qu'on rejoue ce soir. Pourquoi pas, moi, Osef. C'est pas mal en nocturne parce que ça permet, on est pépère dans notre jeu d'ADER, vous voyez, on est en mode... On est content. Oh, je vais essayer de tuer cette mule. Ce serait pas mal que j'arrive à kill cette mule. C'est un pote ça, non? Non, c'est un ennemi, ok. Nickel. Bon, allez, je vais aller observer. Je vais essayer de sortir de ce truc. Voilà, tac, tac. Donc oui, Allods, un jeu, mais de toute façon que je connaissais déjà. Alors apparemment, c'est un pay to win. Mais de toute façon, vous savez, il n'y a aucune prétention. Je vais pas me lancer dans le PVEHL, dans Allods Online ou ce genre de truc. Hein. C'est juste, juste pour déconner, donc... Donc voilà, Twix a parlé de ton départ durant l'LCS, il a aussi mis les choses au clair de son côté en disant que vous étiez quitté en bon terme et qu'il te souhaitait bonne chance. Bah ben oui, évidemment, évidemment qu'on s'est quitté en bon terme, moi je l'ai toujours dit, et je sais qu'il y en a qui essaient de prouver le contraire, des viewers qui n'y connaissent rien en général, enfin des viewers ou des détracteurs, mais vous savez c'est normal, il y a toujours des gens qui essaieront de répandre des choses, alors dans quel but, je ne sais pas, mais il y a toujours des gens voilà qui essaieront de foutre leur merde. Un graphiste débutant, ça t'intéresserait pour des petits trucs. De toute façon, n'importe quelle collaboration, honnêtement, tout peut m'aider. Alors après, malheureusement, c'est que plus il y a de gens, plus je suis obligé de gérer, cadrer. Et pour l'instant, je suis un petit peu seul dans mon bateau, mais ça se fait au fur et à mesure. Donc vous voyez, je suis à 21 dans ma base actuellement. Donc la transition s'est bien passée par rapport au Sixpool. Quelle heure le stream de Allods? Oh, je pense minuit. Minuit, je pense. Là, à mon avis, ce qu'on va faire, c'est 18h-20h du StarCraft 2. Même s'il est déjà 18h41, ça passe à une vitesse, vous avez vu. Voilà, là j'ai un très très mauvais départ, donc je vais faire des hatchs et je vais faire que des zerglings. En fait, ça c'est une autre technique assez stylée en zerg et en 4v4 ou en masse, c'est-à-dire que I go mass zerglings. Je vais faire que des zerglings pendant toute la game, je ne vais récolter que du gaz. Et évidemment, je vais les améliorer, hein, donc je vais faire mes trucs comme ça. On va essayer d'éviter le full air quand même dans sa base, donc on va se faire des petites défenses, voilà comme ça. Hop, on va faire quelques drones, je suis à 15 drones actuellement. Donc lui on va le diriger ici, mais tout le reste des drones on va l'amener là-bas. Il faut que je fasse une queen, j'ai claqué pas mal de minerais, c'est quoi? C'est des hélions. Ah, les hélions c'est un peu chiant. Un peu chiant là, les hélions pour le coup. Je sais pas comment je vais me démerder par rapport à ça, il faut que je fasse du zergling peut-être. Ou alors un aiguillon rampant au milieu de mon écho, je sais pas. Alors, ils se sont barrés, voilà. J'estime que mes adversaires arrivent à s'en occuper, donc pas de souci avec ça. Alors on développe les tumeurs muqueuses, c'est parti mesdames et messieurs. Présent pour la construction du siège social. Ah. Wesh, nice la qualité. Je sais pas si c'est de l'ironie, mais normalement la qualité doit pas être trop mauvaise. Et ça devrait être classe. Enfin bon. En tout cas, eh bien c'est parti, mesdames et messieurs. Je suis là, je suis complètement, complètement chaud pour cette soirée de stream. Je suis beaucoup moins fatigué qu'hier. Honnêtement, hier, dès que j'ai pris le stream à 18h, j'étais un peu fatigué. J'avais passé une journée assez,
assez éprouvante, on va dire, et assez stressante, pour ne rien vous cacher. Mais là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Je suis prêt à faire exploser le dader. Et voilà. Et voilà. Bon, en tout cas, je pense que dès la fin de la semaine prochaine, on devrait avoir un matériel audio un petit peu mieux. Je suis en train de me renseigner pour que tout ça bouge. C'est une très bonne qualité de vidéo. Ah. J'essaie de faire bouger tout ça pour que ça s'accélère. Enfin, pas que ça s'accélère, mais que vous ayez une meilleure qualité assez vite. Et donc voilà, j'espère que dès la semaine prochaine, on aura une meilleure qualité audio, au moins sur le live. Et ensuite, pour la vidéo, excusez-moi, eh bien, ce sera un petit peu plus long parce qu'il faut que je me fasse bien conseiller. J'ai pas envie d'acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Pourquoi j'arrive pas à... Ok. Ok, c'est bon, je vais faire ça, je vais faire ça. Et c'est parti pour la Maz Zergling. Alors je vais faire des Groverlord aussi, beaucoup de Groverlord actuellement. Je vais développer le Burrow, voilà. Alors je fais des trucs de gaz, hein, parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'amélioration, mais quand même, ici le Burrow, j'en ai besoin bien sûr. La qualité audio est pas trop mal, je trouve. L'audio est pas dégueu. Non mais en fait ça va, mais si je me mets à crier d'un coup comme ça, en fait ça va être un petit peu nul. Donc voilà, mon idée c'est que je puisse hurler comme avant, et que j'ai un compresseur, c'est-à-dire quelque chose qui baisse le volume quand vous avez un petit peu de la voix un petit peu plus forte. Voilà, voilà mon but actuellement, même si je sais que la qualité n'est pas dégueu niveau audio, mon but c'est que ce soit de la meilleure qualité possible. Voilà, 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 voilà. Pourquoi vous dites que Dwagby a quitté Millennium? Mais vous dites n'importe quoi, hein. Vous dites vraiment n'importe quoi sur ce chat. Mais c'est ça qui est cool avec l'IRC, c'est que t'as un mec qui dit un truc, et regardez machin, et d'un coup tout le monde, quoi? What the fuck? La qualité son et vidéo est vraiment bien. Mais non, elle est pas bien, elle est correcte. Je vous montrerai ce que c'est bien quand j'aurai du bon truc. Je peux t'avoir un compresseur. Twix a quitté Millennium aussi, ouais je sais. Apparemment, tout le monde aurait quitté Millennium. Et il n'y a plus personne. Oh merde, j'ai 40 drones. What the fuck? Merde. J'ai 40 drones sur ma B1, merde. J'ai un petit peu overextend les drones. Merde. Bon, Osef, go faire des hatches. Go. Vas-y, monte. Ouais. Pose ta hatch, mec. Pose ta hatch, pas de soucis. Alors, on va faire du gros overlord. En fait, je voulais faire des drones et j'ai fait des overlords en masse. Donc, 40 drones sur la B2, vous pensez que... Millennium a quitté Millennium, apparemment. Voilà. Millennium a été racheté par M6, je crois. Et donc, toute la direction va maintenant faire partie de... comment s'appelle cette merde? Les anges de la télérité. Non, c'est pas sur M6, excusez-moi. Donc apparemment, on devrait retrouver Cédric et Dwagby aux anges de la télé-réalité pour le prochain épisode. Donc c'est en train d'être tourné là actuellement, c'est à Dunkerque. Donc voilà, les anges de la web TV. Donc Cédric, Dwagby, Twix, Lege à Dunkerque. Donc c'est vraiment stylé. c'est vraiment une super production. Ça va être vraiment... vraiment super, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je leur souhaite beaucoup. Je leur souhaite de réussir dans ce projet-là parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bon, ça lag. Alors là, vous croyez que c'est moi qui lag et tout parce que le stream saccade et tout, mais pas du tout. En fait, ce sont les fucking laggards. Donc, laggards, on les invite on nous invite à les insulter en caps lock, etc. Les laggards qui nous saoulent, en fait, qui sont très nombreux actuellement et qui sont relous. Qui sont un peu relous. Bon, j'attends le tiers 2 évidemment. Je voulais lancer le tier 2 pour faire mes améliorations. Voilà, il faut faire mes injections de larves. Très bien. On va en mettre... Non. 3 au gaz. Ok. Mais vous savez quoi? Je vais refaire du Empire Earth. Hein. Moi, je pense que c'est Eclipsia qui lag. Mais non, c'est pas Eclipsia qui lag. Pourquoi il a quitté la partie? Ah ouais. Ah, il y a des mutas et tout. Oh putain. Bon, je vais faire un hack-click, je pense. Ou alors, je fais mass battling. Mais est-ce que j'aurai le temps de faire des battling? Pas sûr. Faudrait aller voir un petit peu ce qu'ont mes adversaires. Ce qu'ont mes adversaires. Donc, voilà. Hop. Hop, hop. Actuellement, on est bien, on est bien. Alors désolé, je peux pas lire tous vos messages. Enfin, honnêtement, j'aimerais tellement avoir une autre paire d'yeux pour pouvoir lire vos messages et un autre cerveau aussi pour les analyser, les réfléchir et répondre. Mais du coup, j'aurais qu'une bouche. Ça n'irait pas du tout. Peut-être qu'il me faudrait deux bouches. Bon, vous savez quoi? Je vais go parce que je sens que... Ah mais ça, là, c'est des terranes. Ah merde. Bon ok, on va aller ici, on va attendre le Baneling Nest qui va pas tarder, le T2 va pas tarder également, donc ça me paraît pas mal. Ils sont les milliers, sonnez l'alerte. Engage un lecteur d'IRC. Ah ouais, t'as qu'à devenir un caméléon pour regarder deux trucs à la fois. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, vous avez des bonnes idées. Bon, je recrute stagiaire, compétence, savoir lire. Voilà, je recrute un stagiaire qui sait lire. Envoyez vos candidatures sur Zerator.com. Ce serait nice. Un stagiaire qui a juste besoin de savoir lire. Voilà. Qui sera évidemment pas payé.
puisque il faut exploiter les gens, je pense, c'est important. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai plus de Zergling là d'un coup? Comment ça se passe? Bon, c'est pas grave, je fais masse battling. Battling, je fais des battling. Ok, j'ai plus de gaz. Je n'ai plus de gaz. Donc actuellement, je vais mettre ces gens là au gaz. Donc j'ai 3, 3, 3, 3, ça devrait suffire. Évolution terminée. Moi je sais lire et écrire. Je peux travailler pour toi, je veux travailler pour toi. Prends plutôt une stagiaire. Non. Moi, vous savez, je pense qu'il faut un stagiaire. C'est absolument, absolument essentiel. Voilà. Une stagiaire, un stagiaire, peu t'importe. Du moment que la personne est compétente. La personne est compétente. Alors c'est parti. Go! Go 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 go. Attendez, on va aller là-bas, on va OS la B2. Non, on va OS le wall en fait. All in all, we just need to OS the wall. Ouais, le solo de guitare de The Wall. Je pense être ton homme, je sais lire et même écrire, faire le café et les pâtes. Ça, ce serait pas mal, ça. Un mec que vous exploitez, donc vous le payez pas. En plus, il vous fait les pâtes, le café, il lit vos messages. Stylé. Zerator, tu aurais vraiment dû te reconvertir dans la chanson. C'est prévu. Non, pas du tout. C'est pas du tout prévu. Mais bon, en fait on gagne. C'est assez easy de gagner. J'ai une économie de malade. Mais de malade. Alors là c'est un peu chiant par contre, parce que j'ai bien peur qu'en fait les mecs fassent leur relou à ne pas livrer le truc, la partie. Donc on va refaire Maz Zergling. Ah, j'ai mes injections qui sont faites. Pff, n'importe quoi, je joue beaucoup trop bien quoi. J'ai mes injections qui sont faites et tout. C'est ridicule. Hop, fausse infestation. Merde, c'est I. Putain, à chaque fois je confonds. Ok, les injections c'est bon. Hop, hop, hop. Voilà, vous avez vu ces injections absolument instantanées. C'est parti. Maz injection. J'ai pas assez de minerai, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe actuellement. Ah, d'accord. Oh là là, quel relou. Oh le relou. C'est pas un stagiaire qu'il te faut, c'est un coloc. Et non, parce qu'il faut un coloc qui n'a rien à faire. Donc, déjà, ça c'est rare. Ensuite pas un coloc. Non mais vous savez, je compte bien quitter. Je compte bien vous streamer en dehors de cet appartement assez soon, hein. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais trouver un moyen. Je ne suis pas parti de Millennium pour faire des streams tranquillement dans mon appart et tout. C'est pas le but, hein. C'est pas le but. L'idée c'est que je puisse faire des streams comme je veux et qui soient assez cool d'un point de vue regardage. Vous voyez ? Si votre regardage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres des fougères. C'est un peu ça l'idée, quoi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Vous allez commencer par la droite, puisque les autres ont commencé par la gauche. Et là, ça devrait être bon. Je pense qu'on est ready. On va un petit peu observer les alentours. Hop, je vais faire un petit quadrillage de la map. Lui est en train de le faire avec ses overlords. Et ça devrait me paraître beau, il ne reste plus trop de bâtiments ennemis. A mon avis, on a gagné maintenant. Donc pas du tout. Ah putain. Il a la gold. Ah, j'ai gagné. Donc Zerator a gagné, vous voyez. Zerator a gagné. J'ai gagné tout seul en fait. Donc voilà. Voilà. Sérieux, le compteur qui compte à l'envers. Oui, apparemment le compteur Dailymotion bug. Mais c'est pas très grave, on s'en fout. L'important c'est que vous soyez présent, que vous voyez le live. Les chiffres importent peu ici. L'idée c'est que vous soyez ready sur le stream et que vous soyez content d'être là. Bon, voilà le 4v4. Voilà le 4v4. Je sais pas à quelle heure j'ai fait ma dernière coupure pub. Ça devait être au Star Striker, peut-être à 18h30. Mais on va pas faire de coupure pub tout de suite. On va direct enchaîner sur un petit six pool. Voilà. Je sais pas si je vais faire un six pool, mais en tout cas vous savez que j'ai veto les maps exprès pour faire uniquement des six pools. Donc voilà, j'espère que vous allez pas me sniper pour me voir faire des six pools, ce serait mieux. Donc voilà. Alors,
On a Narum qui souhaite faire du graphisme. Je vais l'inviter dans la conférence graphisme. Alors, dans la conférence graphisme, actuellement, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnes. Donc, c'est vraiment beaucoup. Mais ils sont tous très motivés. Ils sont chauds. Encore, j'ai pas fini de lire les messages. Il m'en reste à peu près 100. Voilà. Hop. T'as pas encore montré mon logo, Zera. Quoi, t'as fait un logo sur Skype? Facebook? Pardon, je ne suis pas allé voir. Je le ferai après, après cette game. Hop. Merde. C'est bon. C'est quoi sa race en face? J'ai pas vu. Hi, HF. Hi. Hi, HF. Mais non, je déconne, je fais un six pool. C'est quoi sa race en face? Zerg. Nul. Nul. Nul, 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 nul. Hop là, 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 hop, 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 voilà, nickel, nickel. Nice, plus qu'un. C'est bon, c'est fini, le AFK. Donc, je vais un petit peu lire vos messages. Voyons voir. Masse fougère. Alors, attends. Hop. Hop. Voilà. Je suis novice en StarCraft 2, c'est quoi le principe d'un six-pool? Le principe d'un six-pool, c'est que tu lances ton bassin génétique sans faire aucun drone au départ. Une fois que ton... Donc, six, parce qu'en fait, t'as six drones au départ, donc six et pool. Merde, 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 je fais n'importe quoi. Et donc, une fois que tu as ça... Tu fais tes deux drones, donc comme ça tu en as 7, et après tu as les 3 larves, avec 150 de minerai, tu as pile le timing pour aller chercher les trucs comme ça, tu vois. Donc voilà. C'est de faire rager l'adversaire. Drone AFK. Merde, 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 merde. Merci, merci de m'avoir signalé ça. Je suis désolé. Donc normalement un 6-pool, un Zerg peut se défendre très 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 facilement puisqu'il a assez de drones et voilà, il peut lutter très facilement. Après il faut qu'il sache un petit peu comment faire et ça peut lui faire perdre du temps. Là ici on est en gold. Zerator, je suis blonde à forte poitrine, puis-je devenir ta secrétaire? Je peux même te border dans ton lit le soir. Alors non, ça ne m'intéresse pas. Déjà je ne cherche pas une femme qui forcément veut mon corps. Moi vous savez, je cherche avant tout des valeurs intellectuelles. Cette proposition absolument indécente me choque au plus profondément de mon être. Voilà, voilà ce que j'en pense. Et c'est parti mesdames et messieurs. On y va, on y va, on arrive dans la base. Il y a déjà un bassin génétique, hop, un drone pris, deux drones pris, vous voyez j'en prends au fur et à mesure certains. Oh très trop, oh la grosse erreur. Oh la grosse erreur du mec. Oh non, voilà, c'est probablement gagné pour moi, hein. Je veux pas vous énerver, mais là, ça part très très mal pour lui. Vous voyez, j'ai déjà piqué vachement de drones. Oh là 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 là, oh là 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 là, mon pauvre ami. Bon là, on va à clic, hein. on gagne cette bataille. Donc là, oh là là, il refait des drones en plus, oh putain, la vache. Oh là 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 là, ça va pas du tout, ça va pas du tout, mon gars, qu'est-ce que t'as fait? Ah mon dieu, non. Oh fuck my life. Donc là, actuellement, j'ai 12 drones. Et une queen. Lui, il n'a rien du tout. Donc voilà. Alors, deux solutions pour moi. Je peux partir macro game ou ce genre de truc. Ou essayer de le terminer, vous voyez. Fais plus de gling. Ouais, plus de gling. Alors, vous voyez, là, j'ai pas du tout actuellement... Non, mais je vais faire mass gling, hein, c'est prévu. Je vais faire mass gling actuellement. C'est prévu. À ma première injection, je pense que je vais partir sur ça. Donc, beaucoup de zergling. Je vais aller au gaz ici. Hop. Hop. J'ai pas assez d'overlord, merde. Ah ok, donc ça va pas du tout. Voilà. Hop, hop, hop. On part là-dessus. On part là-dessus pour l'instant. Donc j'ai fait un extractor trick, ça je vous expliquerai un petit peu le principe du truc. C'est très compliqué, je sais pas si vous allez comprendre immédiatement. Donc là j'attends que mes overlords sortent. Et on va enchaîner les zerglings je pense. Donc voilà, juste histoire de l'emmerder. Est-ce qu'il a une queen? Il a pas de queen, il a pas de zergling. Bon, je me casse. Je vais faire masse zergling. C'est parti pour la masse de zergling. En fait ça va le forcer à faire des zerglings, mais moi j'ai une meilleure écho que lui. Du coup je suis gagnant dans l'affaire d'Adair. Vous avez vu cette fluidité exemplaire? Honnêtement on n'a pas vu un stream aussi fluide depuis 491 quoi. Attendez, hop, boost métabolique des zerglings. Normalement il devrait avoir sa queen quand j'arrive. L'idée là c'est d'essayer de lui tuer sa queen.
essayer de lui tuer sa queen, ce serait sympa. Voilà, il a un zergling isolé en plus qui n'est pas dans sa base actuellement. Donc c'est parfait. Le moindre zergling va compter dans ce genre de trade. Ah, il fait de la défense, ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est très bien. Donc il faut que j'arrive à éclater sa défense et sa queen. Donc actuellement je vais essayer de focus sa queen. Hop, voilà, je vais la focus, il pourra pas la défendre. Regardez, il peut pas la défendre. Et il va la perdre, hein, normalement. Voilà, il va la perdre. Ah, meurt. Voilà, il la perd. Il la perd, mais il aura son aiguillon rampant. Donc, bon, c'est pas très grave. Hop, on va attaquer juste ce zergling là. Là, il a 4 zerglings, on y va. Il aura juste un aiguillon rampant. Vous savez, un aiguillon rampant, c'est pas suffisant pour défendre une base. Surtout qu'il est assez mal placé. Donc, je vais pouvoir aller chercher du drone ici, vous voyez. C'est exactement ce que je vais faire. Donc voilà. Actuellement, il peut pas vraiment lutter contre mes zerglings qui sont là. Et une fois que j'en aurai assez, bah là, vous voyez, go sur l'aiguillon rampant. Donc, vous voyez, il attaque avec ses drones ici. Pendant ce temps-là, moi, voilà, le GG de la part de Odin qui va quitter cette partie et s'incliner, mesdames et messieurs, dans cette game. Donc, j'avais une meilleure écho que lui. Il a très très mal géré son six pool alors qu'il aurait pu gagner. C'est dommage, c'est dommage. Est-ce que tes streams perso seront sur YouTube aussi? Oui, bien sûr, ils y seront. Après, peut-être pas tous, mais est-ce que tu aurais besoin de développeurs web mobile pour tes projets? Oui, bien sûr, bien sûr. J'aurais besoin de tout ça. Tu peux m'envoyer un message Facebook. Et voilà, c'est dégueulasse. Pourquoi tu dis c'est dégueulasse? C'est pas dégueulasse. Est-ce que tu feras du shoot mania ce soir? Alors oui, il y a Noxer qui m'a dit que si j'étais chaud pour faire du combo, eh bien il y aurait pas de soucis. Enfin bon. Hop. Alors. Ok. Ensuite. Ok. Si vous êtes un streamer et que vous voulez participer à l'émancipation de la chaîne, que vous voulez vous faire découvrir, moi je suis prêt à vous aider. Y a pas de problème. Mais il faut que on accroche bien, on ait un bon feeling et qu'en plus vous ayez déjà fait des streams ou des chaînes YouTube, des vidéos, ce genre de trucs. Donc voilà. Enfin bon. En tout cas, vous êtes beaucoup sur le stream et ça fait extrêmement plaisir. Je vais, mesdames et messieurs, maintenant faire une pause et donc ce sera un arrêt de vidéo pour YouTube. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, je vous dis à la prochaine. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite. Allez, à toutes.